surtout, les vaches sont nourries avec de l'ensilage, mais ensilage de maïs, produit sur l'exploitation, ensilage d'herbe, avec une petite particularité, avec de l'ensilage de sorgho aussi, qui est peu courant, mais qui commence quand même à se développer dans le secteur. Donc nous, ça fait déjà 6 ans qu'on travaille avec ce produit. Le sorgho ressemble un petit peu à des maïs. La grosse particularité, c'est qu'il a besoin de beaucoup moins d'eau. Donc on peut arriver à tirer des rendements plus importants, malgré qu'on a l'irrigation, mais on n'a pas l'irrigation pour toute la surface. Les vaches sont nourries de moyenne, on va dire, deux tiers maïs, un tiers de sorgho. Et puis après, on a une dizaine de kilos d'herbe. Donc on va dire 30 kilos de maïs, 15 de sorgho et puis 10 kilos d'herbe. Je pense que c'est la base pour produire du lait, avoir des aliments, des fourrages de bonne qualité.